Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo bullet journal du mois de mai sur le thème de Harry Potter. Donc pour cette vidéo, j'ai déjà fait les dessins parce que je me suis dit que sinon la vidéo serait juste super super longue. Donc je vais juste vous présenter la mise en couleur. Donc pour la première page, j'ai choisi de faire en fait l'effet un peu parchemin de la carte du maraudeur. Et pour cela, j'ai utilisé des crayons aquarellables en deux teintes, marron foncé pour les côtés et marron clair pour l'intérieur. Je viens ensuite avec un feutre fin noir repasser tous les contours de mon dessin. Et c'est un petit peu long, mais heureusement j'ai de la compagnie. Mon chat vient s'installer à côté de moi. Pour l'intérieur des pas et pour l'intérieur des lettres, je fais ça au feutre noir. C'est un feutre de la marque Vic Kids. Ensuite, toutes les lettres, tous les petits détails de la carte du maraudeur. Et pour finir, je viens faire en fait le château, toujours au feutre fond noir de la marque Stabilo, avec donc toutes les ombres sur les toits, les ombres à l'intérieur des portes également, et tout ce qui est briques, fenêtres, enfin voilà, tous les petits détails qu'on peut retrouver sur le château. Je continue ensuite avec les drapeaux, celui marqué Hogwarts et Mujo, et pour finir l'intérieur du château, mois de mai. Et voilà le résultat final. On passe ensuite à la partie mood tracker. Donc colorier mon humeur, en fait j'ai choisi de faire ça via le fameux compteur de points pour chacune des maisons dans Harry Potter. Et la page de droite, en fait, c'est une page où je viens dire pour chaque humeur pour quelle raison je suis de telle humeur. Par exemple, je suis heureuse parce que j'ai mangé un gros burger. Donc, toujours le même principe sur le fond, je fais cet effet parchemin avec du crayon aquarellable. Donc là, je suis en train de passer l'eau. Et ensuite, je vais venir, comme pour la précédente page, repasser tous les contours au feutre fin noir. Une fois que ça s'est fait, avec le stylo doré, je viens colorier l'intérieur des lettres et du vif d'or. Et pour donner un peu de brillance et pour lui donner un peu l'impression de scintiller, je viens colorier le vif d'or en jaune. Pour les compteurs de points, je les fais en bois entre guillemets, donc je suis venue les colorier au crayon de couleur marron et je viens ensuite mettre toutes les couleurs des maisons, donc bleu, jaune, rouge et vert, et pour finir le balai. Et voilà le résultat final. Pour la suite de la vidéo, j'ai pas filmé tous mes dessins puisque ça faisait vraiment trop long à mon sens, donc je vous ai simplement fait les différentes étapes. Donc là j'ai fait le dessin et comme pour les autres pages, j'ai colorié, enfin j'ai repassé les traits au feutre fin noir. Je viens ensuite colorier l'intérieur des lettres au feutre crayola noir et j'ai fait des points en fait pour chaque jour du mois dans lesquels je vais ensuite venir écrire le jour. Ensuite je gomme tous mes traits, c'est une étape clé. Et je viens repasser le bas de mon tableau et le côté droit pour donner en fait une impression de relief, de 3D à mon dessin. Pour le fond de cette page-là, je l'ai fait au crayon de couleur marron, un peu pour changer et principalement pour une raison logistique, entre guillemets, pratique, parce que en fait, souvent, quand on vient passer l'eau sur le crayon aquarellable, on se retrouve avec des problèmes de transparence du feutre de la page d'avant qui vient transpercer, en fait. Et c'est pas terrible, donc j'ai préféré ne pas prendre le risque et faire ça au crayon de couleur marron. Donc là, ensuite, je fais tout ce qui est couleur, donc sur la voiture d'abord, avec, donc, comme vous pouvez le voir, les pneus et le pare-choc uniquement qui sont faits au feutre. Rester fait pour une couleur, puis le livre et enfin le chapeau. Et donc vous pouvez voir maintenant
le résultat. Non, pas maintenant. D'abord, donc, je viens au stylo doré faire les petites étoiles que vous pouvez voir à droite et au feutre et au stylo argenté les chiffres en fait que je viens inscrire dans chaque row. Et maintenant, vous pouvez voir le résultat final. Pour la page d'habit tracker, là j'ai carrément fait un bond dans le temps. Vous avez déjà le dessin, le fond de la page qui, où je ne suis pas encore venue repasser avec de l'eau. Et vous allez voir que j'ai eu exactement le problème que je décris juste avant, à savoir que ça a transpercé et qu'on voit apparaître par transparence le vif d'or de la page précédente de Mood Tracker. Toujours sur le même principe, je suis venue repasser mes lignes au feutre fin noir. Et donc voilà le résultat. Pour cacher le vif d'or qui est apparu par transparence, j'ai fait la lettre en fait, de Poudlard sur une feuille de papier canson tout simplement au crayon aquarellable et que je suis venue coller par-dessus le vif d'or. Les potions, je les ai coloriées toujours avec mes feutres Crayola. Les lignes pour suivre en fait, toutes les habitudes que je souhaite suivre, je les ai faites au feutre Crayola marron. Et le buste au crayon de couleur violet. Et tout ce qui est pneus, gris, phare, donc tout ça, je l'ai fait au feutre noir. Et donc voilà le résultat final pour cette page-là. Pour finir, j'ai fait la page de la première semaine du mois de mai sur le thème de Gryffondor, puisque il y a 4 maisons, 4 semaines, on pourrait presque croire que c'est fait pour le bullet journal. Sur cette page-là, toujours le même principe, le fond au crayon aquarellable. Je viens ensuite repasser au feutre fin noir et ensuite je vais venir faire la mise en couleur avec les feutres Crayola dans différentes teintes. Ça va être principalement du rouge et du jaune pour cette page-là. J'ai pas repassé la phrase au feutre fin noir parce que j'avais encore un petit doute sur la couleur que je voulais donner à cette phrase. Et cette phrase, qu'est-ce que c'est ? C'est « We could have been killed or worse, expelled ». Je sais, j'ai un super accent anglais. Mais cette phrase, c'est pour les vrais fans de Harry Potter, la phrase que Hermione dit dans le premier film et qui veut dire « On aurait pu se faire tuer ou pire, expulser ». Et je trouve cette phrase géniale. Donc, je l'ai choisie pour la semaine Gryffondor. Et vous pouvez donc voir maintenant le résultat final. Voilà, si cette vidéo vous a plu, vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube, me retrouver sur Instagram lily.leonie.09. Et si les dessins vous plaisent, ils sont disponibles au format stickers à la commande sur la boutique en ligne Etsy. Et vous aurez donc toutes ces infos en barre d'infos. Ainsi que tout le matériel que j'ai utilisé, les liens pour si vous souhaitez éventuellement commander le matériel. Voilà !